Je m'y attendais pas. Un mélange de 50-50 entre club français et club étranger, à l'image de notre tournoi international. 10 ans de présidence, et puis surtout qu'on a intégré le tournoi en 2006, donc ça fait déjà 13 ans. Alain, est-ce que c'est bon ? Boulot, et par conséquent, et on voit l'agitat, le chemin qu'on a parcouru. C'est vrai qu'on se voit autour de nous aujourd'hui, les équipes qui sont au tournoi international de Garrigan, on peut être que content. Ça va durer alors, encore longtemps. Parti. Nous a amené voir l'entraînement de l'équipe de France à Cesson. Donc surprise de dernière minute, donc déjà c'est bon accueil, super. Après on est venu ici, le défilé, tout ça, donc déjà on voit que l'organisation est rodée, partir dans la famille d'accueil. On a joué hier ici, on finit premier de poule. Voilà, on se régale, bonne humeur, on est toujours très bien reçu ici, les jeunes sont super accueillants, on va dire. Donc, voilà. Et puis sur le terrain on fait le taf, donc pour le moment on passe un bon week-end et ce matin on vient de se qualifier pour les quarts de finale. On profite de l'occasion déjà pour féliciter et saluer l'organisation, toute la logistique qui est vraiment impeccable. Après au niveau de l'esprit il est super bon, j'ai de très bons échanges avec tous les éducateurs, le fait qu'on soit hébergé ensemble aussi à l'hôtel, ça, il y a plein d'échanges qui se créent. Et d'un point de vue sportif, je trouve que le niveau est très homogène, en tout cas on va dire pour les 20 premiers clubs, les structures pro et aussi quelques structures amateurs qui viennent se mêler aux équipes professionnelles. Et je trouve que c'est une bonne promotion du football féminin, surtout en période de Coupe du Monde. Parce qu'on voit, beaucoup de belles choses dans le contenu, on voit des bonnes intentions. Je pense qu'on prend plaisir à regarder un peu tous les matchs. Champion, but I would say in the last 2 to 5 years, it's grown tremendously. You see France playing very well, and you see England playing very well, you see Spain playing very well. So I think European soccer, they're changing and doing something right, because a couple of the teams we played, for example, we got to play Lyon this morning, phenomenal. Individually and collectively, very good. Very impressed with the top academies. Le niveau global est intéressant. Très intéressant. Je pense que Lyon, dans la maîtrise collective, est bien au-dessus de tous les autres équipes. Mais après, le niveau global est intéressant. Ça, c'est homogène. L'objectif du dimanche après-midi, du coup, c'est quoi? Ah ben, c'est à partir du moment où on s'est qualifié, c'est élimination directe, c'est aller le plus loin possible. Voilà, l'objectif, c'était d'aller à Pontivy sur le stade de Verdun. Et après, c'est les filles, c'est le bonus. Et on verra Montpellier. Il y a des chances, il y a de fortes chances. On espère.